Il y a 2 millions de Scoville dans cette merde. 2 millions. J'ai dû reprendre une nouvelle brique de lait. Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le 100e épisode du juin. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on va se retrouver à faire une FAQ, quelque chose de tout à fait classique. Je voulais marquer le coup pour la 100e parce que merci à vous de votre soutien et de me soutenir depuis bientôt 6 mois sur ce projet qui me tient à cœur. Et je me suis dit, une petite FAQ, ça pouvait être intéressant, sauf que... Bon, disons que j'ai décidé d'envenimer les choses et de prendre les pires sauces pimentées du marché, dont certaines qui manquent à plusieurs centaines de milliers sur l'échelle de Scoville. Ouais, je regrette déjà. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple. Je possède une planche avec des tenders, et j'ai un échantillonnage d'à peu près 11 sauces, du plus fin au plus simple, c'est-à-dire le tabasco. Oui, oui, j'ai pris que des sauces qui est déjà de base au-dessus du niveau du tabasco. Et ensuite, vous allez les voir, nous avons tout un assortiment qui va crescendo jusqu'à la kaboom. Je les ai ouvertes la plupart pour justement faire une échelle de valeur moi avant, mais vraiment juste tremper mes lèvres pour un peu voir la violence de toutes ces sauces. J'aime manger pimenté, la globalité des sauces sont des sauces qui sont très bonnes, c'est avant tout pour les consommer, hein. Il y a quand même plus de 100 € de sauce sur cette table, le but c'est de les manger, les consommer par la suite. La kaboom, là actuellement, je remercie encore une fois Funé, un ami de longue date, qui m'a fait justement ce classement de sauces et quelques-unes que j'ai pu rajouter derrière, c'est lui qui m'a conseillé ces sauces, et clairement celle-là, elle est physiquement douloureuse. C'est la dernière évidemment, donc j'ai pas hâte d'y arriver. Mais voilà. Du coup, pour ma seule protection rapprochée, j'ai une moitié de brique de lait fraîche, un pot de miel artisanal cursed au possible qui vient tout droit de Resident Evil 7. J'ai limite plus peur de manger ça que le piment. Et donc du coup, pour cette tâche qui est loin d'être aisée, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma copine, qui, elle, son rôle, ça va être de m'aider au cadrage et aussi de me donner de donner vos questions que vous avez posées sur la vidéo. Et ce qui va être assez drôle aussi, c'est que à son tour, elle possède quelques tenders, et elle va tester les sauces, et on va voir jusqu'à où elle va s'arrêter, où est-ce qu'elle va me suivre, jusqu'à la dernière. Donc c'est une double peine. Je n'ai pas hâte. Allez, c'est parti. C'est la première fois de ma vie que je goûte du tabasco. C'est quelque chose que j'ai jamais acheté. Ça, je voyais toujours dans les films, waouh, le tabasco, ça arrache, ça machin. Jusqu'à ce que ce soit dangereux, on va mettre des doses de bonhomme. Quand on va arriver dans les sauces de haut niveau, là je vais quand même essayer de me calmer, je prendrai des doses plus normales, plus moyennes. Mais si je sens que ça va, je reprendrai de la sauce. Je me moque pas de vous. Donc là j'ai un tenders complètement rempli de tabasco. Donc c'est à l'heure qu'on va commencer les questions. Je vous écoute, madame. Alors, première question, quels sont tes jeux du moment et quel était ton premier jeu? Ton papa, enculé. Ça commence déjà. Oh, j'ai chargé. C'était du tabasco tenders. Oh, à savoir, c'est le plus faible. Le tabasco. Ah, je surjoue même pas, j'étais surpris, je pensais pas en avoir mis autant. Alors, mes jeux du moment. Actuellement, on est en plein sur la sortie de Resident Evil 4 Remake, que j'attends depuis des années. Sinon, je dirais Un Showdown. Donc ouais, Un Showdown, qui est vraiment pour moi ma vraie... Oh putain, ça chauffe. La vraie découverte, redécouverte, parce que ça j'y joue depuis 5 ans, depuis sa sortie à Hunt. Mais vraiment, tout le travail qu'ont fait les développeurs dessus pour le remettre à jour, pour le rééquilibrer, faire du contenu dessus, et tout ce qui arrive en 2023 et 2024 sur Un Showdown, franchement, c'est un grand moment. Et actuellement, pour moi, c'est peut-être le FPS le plus équilibré sur le marché. Ben voilà, game solo réussi, 1v2. Ton premier jeu. Mes premiers souvenirs, c'est Doom sur les genoux de ma mère. Mais réellement,
juste comme ça déjà, c'est 20 ans de thérapie. Sinon, réellement, mes souvenirs... Alors, ma première console, ça a été la NES, le gros cube gris de Nintendo. Et je crois que ça a été Kung Fu et Commando. Alors, question suivante, ton pire souvenir de gamer. Mon pire souvenir de gamer. Ça peut être un jeu que tu attendais impatiemment qui s'est avéré être un énorme flop, ça peut être... Brink. Bah voilà. Le pire jeu auquel t'es jamais joué. Il y en a plein. Je te rappelle que j'ai une émission passée sur ça quand même. Et bah justement. Non, en fait, le pire souvenir en tant que joueur, j'ai du mal à me remettre dedans parce que c'est compliqué. J'ai eu la sortie de Brink, qui était un jeu qui était ultra novateur sur ses trailers, qui montrait des choses incroyables, mais que le jeu, quand il était sorti, il était pitoyable au possible. Ça a été 40€ les moins bien investis que j'ai pu faire. Fallout 4, enfin, y a plein de problèmes avec Fallout. Final Fantasy VII Remake, on va en reparler plusieurs fois, j'imagine, pendant cette vidéo, mais... En fait, j'évite de retenir trop les pires moments parce que ça sert à rien de les garder. J'ai eu des déceptions, hein, franchement, là, même sur ces 5 dernières années, j'ai eu des sacrées déceptions de sorties de jeux que j'attendais qui ont été des énormes chiasses. Il y a plein de jeux comme ça, AAA, qu'on attend depuis un petit moment, qui sont censés arriver. On a des trailers qui nous vendent du rêve et au final, t'as des jeux qui sont moyens, qui sont réchauffés. Je vais rester là-dessus, c'est dégueu, hein, mais je sais que je peux pas me faire que des amis, mais je maintiens mes propos. Final Fantasy VII Remake. Pour moi, je pense que c'est ma plus grande trahison dans l'industrie du jeu vidéo. Personnelle, c'est pour ça que je me maintiens là-dessus, c'est que c'est pas quelque chose que je vais dire j'ai raison et vous devez être d'accord avec moi. C'est que je sais que j'ai raison pour mes avis, mon avis subjectif et mes raisons qui me sont propres. Et je sais que pourquoi je déteste ce jeu, c'est totalement personnel, c'est totalement nostalgique. Et qu'il y a énormément de gens qui ont adoré ce jeu, alors que je suis juste un vieux con à râler dans son coin. Et je préfère maintenir mes propos qu'ils ont fait de la merde sur cette trilogie. On en parlera de toute façon, j'ai pas regardé les questions, je me suis pas spoil. C'est juste en les mettant dans l'ordre, j'ai regardé vite fait 2-3 trucs et je sais qu'on va reparler de FF. Mais... Ok, on a vu du négatif, maintenant on repart sur du positif. Ouais. Quel est ton jeu favori ? Plein de raisons, il y a des jeux que je ne citerai pas où j'ai passé des centaines d'heures et pourtant ils ne font pas partie de mon top 5. Il y a des jeux où j'ai passé qu'une vingtaine d'heures dessus et pourtant ils ont un intérêt énorme dans ce que j'aime. Par exemple, je prends l'exemple typique, Escape from Tarkov, aujourd'hui je ne le mettrais pas dans mon top 5 alors que malheureusement j'y ai passé quasiment plus de 7 à 8000 heures dessus. Par contre, The Return of Obra Dinn, j'ai fait que 2 runs dessus. J'ai moins de 10 heures de jeu dessus, et pourtant c'est pour moi un monument extraordinaire du jeu vidéo. FF7 original sur PlayStation 1, évidemment, pour son histoire, pour son gameplay, pour les émotions, pour les péripéties, pour l'histoire, il y en a plein d'autres. La saga Monster Hunter, la saga Resident Evil, la saga Silent Hill, Battlefield aussi, ça a été des époques assez incroyables, The Elder Scrolls, quand c'était encore des bons jeux. Il y a plein de licences comme ça qui sont incroyables et que j'ai des tonnes d'histoires à raconter. Ok, et maintenant c'est parti pour le premier changement de sauce. Là, on change de sauce. Ça tombe bien, c'est ma préférée. Celle-là, je l'ai goûtée, j'ai tapé dedans tellement elle est bonne. C'est une sauce chili à la mangue. Comment vous dire ? Attends, j'ai déjà le hockey. Je vais être généreux avec... Pas trop quand même, parce que j'en veux aussi. Quoi ? Un peu trop généreux le bouc. J'ai glissé, chef. Mais t'as tout pris ! La sauce ! Bah viens tremper ton nugget. Attends, je vais tremper mon nugget. Ah putain, j'en ai plein les doigts, fais chier. Oh mais t'as un boulet. Elle est superbe. Oh, t'en as mis partout. Bah attends, il y a un nugget qui est déjà trempé. Oh, t'as abusé, chef. Oh. Ah, elle est bonne. Oh là là, incroyable.
Elle est incroyable, cette sauce. Je crois que c'est ma préférée de toutes. C'est là, franchement, je l'achète, mais je l'achète par palette, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de streamer? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est l'envie de partager ta passion avec d'autres? Est-ce que... Oh, j'aime bien le tournant. La première question, ça appartient. Oui, oui, je note. non, alors, il y a eu un côté partage. Surtout quand j'ai eu une petite phase sur les speedruns, j'ai eu pas mal de trucs. Présenter des jeux, présenter ma passion du jeu vidéo et mon amour du jeu vidéo pour... Il n'y a pas que les AAA dans la vie, il y a des jeux indépendants qui sont pas connus et qui sont incroyables. Et d'ailleurs, je suis revenu à la source, en fait, avec l'émission Le Jugement, c'est que j'ai vraiment fait ce que j'ai toujours voulu faire à l'époque, et aujourd'hui, j'ai enfin les moyens et la motivation de le faire correctement, même si c'est pas encore la formule finale de ce que je veux faire. Ok. Alors, vu que tu évolues dans ce milieu depuis un certain temps maintenant, est-ce que tu as des modèles, streamers, des youtubeurs que tu apprécies particulièrement, qui sont un peu tes idoles, entre guillemets? Alors, moi, j'ai toujours rêvé de rencontrer Mister MV. Tout le monde veut rencontrer Mister MV. Spoiler, t'es pas le seul. Hein. Non, non, Mister MV, je pense en tant qu'humain, déjà, en tant qu'humain, en tant que chef d'entreprise, en tant que réalisateur, en tant que showman, en tant que père, en tant que plein de choses. Mister MV est un modèle pour moi, pour beaucoup d'aspects, parce que je le suis depuis ses débuts quasiment. Jean-Baptiste Chaud, qui a toujours eu ce côté présentation, découvrir, partager sa connaissance du jeu vidéo, que j'ai toujours trouvé intéressant. On peut rejoindre aussi là-dessus cette question de partager son avis en tant que consommateur et pas en tant qu'éditeur. Ce que je veux dire par là, pour revenir un peu sur l'ancienne question et qui vient aussi avec celle-là, étant un jeune dans les années 2000, un jeune adolescent qui allait sur le site jeuxvideo.com, et quand on a tous vécu ça, les gens de mon époque, quand un nouveau Call of Duty sortait, avant même qu'il y ait la moindre information dessus, c'était direct 17, 18 sur 20, parce que la taille du chèque, des petites pépites de JRPG, des petites pépites qui étaient un peu plus sous-cotées, qui avaient un peu moins de budget, étaient totalement assassinées, jouées même pas au quart de ce que proposait le jeu et complètement laissées de côté. Il y avait vraiment cette volonté de pouvoir présenter et donner mon avis en tant que consommateur et pas en tant qu'éditeur qui est là pour se faire du pognon. Bon, on va augmenter le piquant des sauces maintenant. On va passer à la troisième. Déjà et nouvelle sauce. Déjà nouvelle sauce. Oh non, je suis dans la sauce. Bon, c'est fini, maintenant on est dans les problèmes, les deux meilleures sauces sont parties, maintenant on va commencer à taper dans le dur. Là, comme vous pouvez le voir, on tapait juste des petits tenders, c'était gentil. Là, on commence à rentrer dans les sauces qui sont agressives. Celle-là, c'est la moins bonne du lot, parce qu'en fait je l'ai pas pris pour me faire kiffer sur les tenders, c'est une sauce à pizza, pimentée de ouf. Et bah du coup, comme son nom l'indique, c'est une sauce à pizza, donc ça va pas être terrible sur des tenders, mais on va quand même taper dedans. Alors malheureusement, il n'y a pas d'échelle de Scoville pour toutes les sauces, donc j'ai un peu du mal à me représenter. Mais là, dites-vous, sur 10, on est déjà à 4 voire 5, sur toutes les sauces qui arrivent. Oh, il y a une odeur. Ça vient pas jusqu'ici. Ah bah... Non, toujours pas. Oh, aussi! Ah, tu vois? Oh la vache! Oh, y a un fumet! Oh, y a un fumet, c'est... Le fumet de la destruction, quoi! Y a un fumet, c'est fameux! Là, t'as des légionnaires romains qui sont passés et qui ont rasé un village. Oh, des légionnaires tout court! Ah ouais, non, mais là, je vais pas faire le cowboy, je vais pas en mettre autant que j'ai pu en mettre sur les deux premières. Eh bah, c'est quoi, puisqu'on est sur le domaine des sauces, ouais. Question au sujet des sauces, c'est quoi ta sauce préférée pour ton kebab? La sauce samouraï. Les débats ne sont pas admis en commentaire. Non, après, samouraï, c'est classique, mais j'ai l'impression que c'est générationnel, vraiment. Attends, je te remets ça. Et j'ai quand même abusé, je trouve. Ouais, je sais pas si ça se voit, mais... T'as abusé. Moi, par contre, je tiens à mon système digestif. Santé! Oh la vache, par contre... Ce qui est bien, c'est que comme je passe après, je sais qu'il faut pas en mettre autant. Elle a mis une micro-goutte. En vrai, ça va.
J'ai pas senti. En fait, il y a... Oula, missile. Il y a tout un enrobage de saveur qui vient te mettre des patates dans les joues. Et après, ça s'adoucit tout seul. Elle est merveilleuse, cette sauce sur de la pizza. Elle est incroyable. Ah, vraiment, le kick en pleine bouche, puis... Ah, je la kiffe. Donc, je rappelle, c'est pas sponsorisé. J'ai bien raqué pour cet épisode, mais ça me faisait plaisir. Et c'est aussi pour remercier tous les gens qui me suivent depuis des années. J'ai pris toutes les sauces sur lepiment.fr. Non, saucepiquante.fr. Excusez-moi, le mec qui met des faux noms. Saucepiquante.fr, c'est là où m'a conseillé Funé. Ils sont rapides. Les prix sont attractifs, franchement c'est nickel. Le site est pas mal, tout est dédié par niveau de sauce et tout, c'est très facile. Vous pouvez même acheter vos propres piments, vos propres marinades et tout. Franchement, ça, le site je le trouve très très cool. Et je recommande, honnêtement, pour acheter la sauce à la mangue là, j'y retournerai franchement tranquillement. Ah, question ? C'est quoi la compo de ton PC ? Qu'est-ce que tu utilises comme matos pour le jugement ? Voilà, setup, en gros. La question technique, heureusement que la sauce elle est pas trop dure pour que je puisse articuler tous ces trucs-là. Alors depuis 2023, grâce à ma chérie et grâce à quelques sous de mis de côté, j'ai pu enfin mettre à jour mon PC. Oh putain, ça commence à chauffer, donc le problème c'est que je vais peut-être pas me rappeler. Au niveau de la tour, donc j'ai pris une tour Corsair 400D Airflow. Une tour moyenne parce que pendant des années j'étais sur les vieux formats tour, les grosses NZXT qui sont massives et qui prenaient beaucoup trop de place sous mon bureau, et mettre son PC au sol, bah c'est pas terrible. Donc là je suis sur une tour moyenne, donc je peux enfin la mettre sur mon bureau parce que j'ai pas beaucoup de place malheureusement. J'ai pu changer de carte mère pour une carte mère en DDR5, donc je suis sur une Z790 avec un i7 13700K. Un des meilleurs processeurs du marché actuellement de chez Intel, et j'en suis très content, il est vraiment très très cool. Avec en refroidissement le Darkrock Pro 4 de chez Be Quiet, qui est juste incroyable. Pour ceux qui ont suivi mes péripéties par rapport à mon water cooling de chez MSI, là, cette grosse merde là. N'achetez pas de AIO, c'est de la merde. Prenez des gros ventirades, il n'y a que ça qui marche. En RAM, la RAM, j'ai pas pris quelque chose de très cher parce qu'on était déjà sur une upgrade de config à 1200€, donc c'est un budget. Mais je suis parti du coup sur de la DDR5 à 32Go sur de la 7000 ou de la 5008. Non, de la 5008, je crois. Il y avait une promo, ouais. C'est 32Go en 5008, c'est déjà très bien pour ce que c'est. Soit je passais à 64Go de RAM d'ici quelques mois histoire de booster un peu. J'en ai pas réellement le besoin, en vrai, 32Go ça suffit, même pour le stream. Sinon, je resterai à 32, mais je prendrai de la RAM un peu plus puissante. Mais je pense quand même passer à 64 pour le stream, parce qu'il y a des jeux qui commencent à être un peu gourmands niveau RAM. Mais là, ce qui est bien, c'est que la DDR5 commence à être accessible. J'avais le choix, en fait, vraiment de rester sur la DDR4 ou de la DDR5. Et je me suis dit, on va passer le cap. Et la DDR5, je vois la différence, et franchement, c'est top. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Bon, après le stockage et tout ça, on s'en fout, j'ai quasiment 10 Tera de stockage dans différents HD, SSD, NVMe. Et la carte graphique qui commence un peu à vieillir mais qui tient encore le choc, ma petite 2080 Ti, merci Dai encore une fois, qui a eu moult aventures, moult péripéties, mais qui pour l'instant se porte à merveille et qui continue de faire le taf et qui me fait tourner Resident Evil 4 Remake en ultra et à 80 FPS, et j'en suis très content. Mais il va falloir penser à la changer quand les prix des cartes graphiques deviendront à peu près normales. Sinon, pour le setup de stream, je suis éclairé à l'aide de Nanoleaf planqué juste au-dessus de mon écran. Donc c'est bien, c'est que ça met une lumière d'ambiance dans la pièce, mais aussi ça me permet de m'éclairer quand je suis en stream. Au niveau du micro, je suis sur un Yeti Blue Pro en USB, même pas en XLR, parce que j'ai pas de carte son externe encore pour l'instant, j'en ai pas le besoin réellement. Mon setup son me satisfait correctement. Là, pour l'instant, on est enregistré sur le micro de mon... On est filmé et on est enregistré avec mon Sony Alpha 7 II, gros bébé, un full frame de chez Sony, je l'aime. On est filmé avec un magnifique 35mm Sigma Art
d'une valeur de beaucoup trop cher. Non. Sinon, pour revenir sur PC, on est sur une... Ah oui, la caméra Logitech, qui est très très cool. Ça a été un gros up cette année, la webcam. Ça a vraiment tout changé, j'en suis très content. De toute façon, je mettrai des screens de différents éléments lors de la vidéo. Clavier souris, le clavier va falloir que je le change parce qu'il commence vraiment à être en fin de vie. Mais c'est un budget. J'ai repéré quelques claviers, mais pour l'instant, je sais pas trop encore sur quoi partir. J'ai un Steam Deck, il va falloir que... Non, sinon au niveau de mon setup, il commence à être carré, je suis content. Ah, et pour le casque, je suis sur un casque Sony qui était en réduction, un casque audiophile à 300 balles, que j'ai eu à 100 balles lors d'un Black Friday, et ça fait un an ou deux ans que je l'ai. Un an, je crois. Quasiment deux ans. Quasiment deux ans, ouais. Et ouais, franchement, ouais. Au niveau du son, il est top. Il manque un peu de basse, mais sinon, qualité audio, il est vraiment top. Bon, la sauce à pizza, c'était bien sympa. C'est un petit goût de Provence. Ah, déjà ? J'ai trouvé. Et ouais, déjà. Ouais, il y a un petit côté sauce provençale, ouais. Ouais, là, tu vois, là, je me sens à Marseille. Putain, dans le Lavandou. C'est vrai, il en reste des sauces. Ouais, il en reste. Et là, on va passer à la quatrième, justement. Quatrième, la sauce jalapeño. Donc, c'est la même marque que l'autre, c'est Elysius. C'est une marque française, rhum et citron. Oh. J'ai pas aimé ce bruit. Je te jure, je vais essayer qu'on l'entende au montage. La sauce, elle fait... C'est de la sauce ou une grenade exactement, là, que t'as dégoupillé Grenade. En général, quand une sauce fait... Pit. Oh. Ah oui, oh j'aime bien. Ah, il y a un truc. Ouais. Franchement, il y a un petit truc. Eh bah écoute, pendant que tu tartines ton tender, je vais poser la question. Vas-y. Est-ce que tu deviendrais photographe pro si toutes les conditions étaient réunies? Ou alors est-ce que si tu avais l'occasion de passer en streamer parce à temps plein, gueule. Tu le ferais ou pas? Je l'ai rempli à l'intérieur. La question douloureuse, hein, j'ai envie de dire. Quitter ton taf pour vivre de ta passion ou continuer ton job et streamer, faire de la photo à côté? Je mange ça et je vous réponds tout de suite. T'aurais dû répondre avant de manger parce que oh, t'es incapable de le faire. Voilà, exactement. Oh, j'ai fait le cow-boy. Oh, le citron. C'est comme l'autre. Il y a un échappement de gaz qui te met un clic direct dans la gueule. Mais après, ça... Ouais, comme... Elle pique un peu quand même. Hein. Mmh. Mais le citron. C'est le citron, on est d'accord. Hein. Alors, oh putain, ça commence à devenir douloureux. Il reste 6 sauces. Évidemment que tout quitter pour vivre de ma passion, c'est mon rêve. Mais pas réellement. On va commencer par la photographie, comme beaucoup savent, je fais un peu de photos, enfin j'ai fait un peu de photos, parce que j'ai quasiment arrêté depuis le Covid, pour de multiples raisons. Culé. Oh, enculé. Ah ouais. Ça me fait des remontées gastriques, carrément. Santé. Tout quitter pour vivre ma passion, oui, mais en fait... Premier point pour la photographie. Non, je pourrais pas parce que malheureusement... Parce qu'il fait chaud. Ah, ça me désinfecte la gueule. Il y a un peu d'ail, non? Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu d'ail. Alors, tu as de la purée de jalapeño à 80% avec du vinaigre, du rhum à 10%, du sucre, du citron, de l'oignon, de l'ail et du sel. Ah, il y a bien de l'ail. Moyennement piquante, hein, selon leur critère. Ouais. Elle me fait quasiment aussi mal que la kaboom. Ah ouais? Ouais, sauf ah que la kaboom, non, ça va. J'avais à peine trempé mes lèvres. Donc, Bah, tu blanderas. Bon, excusez-moi pour ce truc, mais c'est le jeu. Le métier de la photographie aujourd'hui, c'est 80% de marketing, de recherche de clients, de discussion de salaire, de recherche de
t'es un commercial. Tu passes plus ton temps à négocier ta prestation et à trouver des clients plus qu'à pratiquer la photographie. Et je trouve ça triste. Alors évidemment que dans ce genre de métier où t'es obligé de te vendre, évidemment que c'est une partie qui est importante, sauf qu'aujourd'hui, avec il y a tellement de concurrence, il y a tellement de gens qui peuvent se dire photographes avec leur téléphone, avec leurs iPhones, il y a vraiment trop de monde sur le marché de la photographie. Alors en vrai, trouver un métier dans une société spécialisée et être leur photographe attitré, ouais pourquoi pas, là-dessus je pourrais bien. Mais lancer ma boîte, lancer ma SARL et passer 80% de mon temps à être débauché des clients, parcourir la France, je salive à mort, pour juste faire quelques photos et vivre, essayer de vivre décemment de ma passion, non, je préfère que ça reste une passion plus qu'une occupation. Et tant que j'aurai pas l'occasion de m'amuser et en vivre, le contact social du client, faire du marchage de client et tout ça, je déteste ça, j'ai vraiment horreur de ça. Et non, je pourrais pas le faire. Je pourrais vraiment pas le faire. Pour ce qui est du stream, là c'est un autre débat. Je rêverais de vivre de YouTube et du stream et de tout ça pour mettre plus de temps dans mes productions, pouvoir proposer des trucs encore plus fous, faire des montages encore plus intéressants et proposer vraiment quelque chose et vraiment donner toute mon énergie à faire ça correctement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on pourrait, dans quelques questions, j'ai pu voir pourquoi ce choix de format, et ça en revient à ça justement, c'est un manque de temps parce que j'ai un travail qui me demande beaucoup de temps à côté de moi. La notoriété. La notoriété, c'est quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose que je vois au quotidien sur Twitter, que je vois sur les réseaux sociaux. Devenir une figure publique est quelque chose d'effrayant, est quelque chose de dangereux, est quelque chose d'impitoyable. Et je ne veux pas vivre cette vie, je veux continuer à être personne, je veux continuer à faire rire une dizaine de connards dans leur chambre et essayer de leur apporter un peu de bonheur, mais... Je suis personne et j'ai envie que ça reste comme ça en fait. J'ai pas envie de gagner en notoriété, moi ça me fait peur plus qu'autre chose. Je veux pas prendre le melon, je veux pas devenir quelqu'un, je suis personne et je veux rester personne en fait. Laissez-moi tranquille, bordel. Alors niveau piquant, on est comment là? Là ça commence à se calmer, mais j'ai les molaires du fond qui commencent à piquer un peu là. Ah, ça commence à se calmer, bah c'est très bien parce qu'on va passer à la cinquième sauce, hein. On va réveiller un peu tout ça parce que là, t'es trop calme. Là, on commence à rentrer vraiment dans les problèmes. Toutes les sauces qui sont à partir de maintenant n'ont pas été un moment de plaisir. Quand t'as une sauce qui s'appelle Grapes of Wrath, où c'est les raisins de la colère en français, où c'est une grappe de raisins avec des têtes de mort à la place des raisins, on te fonce. Tu sais que, bon, made in USA. Bah justement, est-ce que tu as la ref de ce nom, les raisins de la colère? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Pas du tout. Ça vient d'un roman de Steinbeck qui raconte l'histoire de paysans, de fermiers durant la Grande Dépression. Enculé. Qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale, enfin du moins qui prend place avant la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 30. Crack boursier de 1929, Wall Street, tout ça, tout ça. Sauce. Conclusion sauce. Alors, pendant que tu nappes pas délicatement ton tenders, petite question. À une époque, tu étais dans l'équipe de All Geek Station, as-tu des regrets concernant cette époque? Comme le fait que tu sois terminé. Les doigts, ils fondent. Alors que vous avez une grosse commu. Je l'ai rempli. Déjà, est-ce que t'as entendu la question? Ouais, on vous fait faire tout ça, ouais. J'étais moins fan de cette sauce-là quand on avait testé. Je l'ai secoué, ça va changer. Je pense que c'est le côté, l'aspect raisin que j'aime pas trop, mais attends, je vais tester. J'en ai pas beaucoup. Elle est moins forte que l'autre. Ah bon, on a mal classé. J'avais pas ouverte celle qu'on a fait avant. Oh, c'est une slow burn. Très goûtu par contre. Oh, culé. Ça commence à faire mouiller le pif. Non. J'attends de prendre du lait pour plus tard. All Geek Station, bah, c'est une période comme une autre. Dans la vie, t'as des hauts, t'as des bas, t'as des aventures. Oui, il y avait plus de viewers, mais oui, je faisais 90% du travail.
c'était tout jeune parce que Twitch était pas du tout le Twitch d'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de gens sur Twitch qu'aujourd'hui. On n'aurait jamais percé parce que c'était, il n'y avait aucune structure professionnelle, il n'y avait que des amateurs. Moi le premier. Non, c'était c'est une époque qui est drôle, qui est fun, parce qu'il y a plein de souvenirs, il y a plein de mémoires là-dessus, et j'ai rencontré des gens formidables. Dont toi, Sacom, qui pose la question. Mais sinon, cette période-là, j'ai envie de te dire, j'en ai plus rien à foutre aujourd'hui. C'est arrivé, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai passé de bons moments, il y a eu ça, c'est mal fini, point barre, hein, c'est la vie. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie pendant 107 ans. Ouais, non, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette période. Comme tu navigues en solo maintenant, comme ouais. Le dit un célèbre rappeur, B2O, n'est-ce pas, de son nom. Oh putain, le duc. Exactement. Est-ce que tu as des projets pour la chaîne en particulier? Comment est-ce que tu la vois évoluer dans quelques années? Oh putain. Des projets, j'en ai. Des projets, j'en ai parce que j'ai enfin atteint un setup et une connaissance du milieu suffisante pour me dire, ok, maintenant, j'ai toutes les clés pour pas réussir. Enfin si, parce que oui. En fait, j'ai les clés pour réussir, mais c'est juste que j'ai un emploi, j'ai une vie de famille et je suis pas au chômage. C'est compliqué. Et j'ai pas non plus envie de réussir pour plusieurs raisons. Des projets pour la chaîne, il y a un truc que je kifferais faire. Il y a de plus en plus d'événements caritatifs, pas forcément le Z-Event, mais des choses qui relient des plus petits et moyens streamers. J'ai été approché, je vous dis pas plus. Pour l'année dernière, je n'ai pas accepté parce que ça tombait dans une période où je n'étais pas disponible au niveau du travail. Mais j'aurais pu accepter sur un week-end. Et si ça se refait en 2023 ou 2024, je serais honoré de pouvoir le refaire, et c'est quelque chose qui m'intéresserait. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que je me classe aussi parmi les vieux cons. Parce que je n'ai plus 15 ans. Et c'était quoi l'autre question? Parce que le piment, ça pique la tête. Comment est-ce que tu vois la chaîne évoluer, dis, dans quelques années? Lentement. Mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Ça revient. La question du format, elle est loin ou pas? Elle est loin. Elle est loin, ok. Lentement, mais sûrement, on en reparlera lors de la question du format, pourquoi j'ai choisi ça. Enfin, elle est loin. Elle est après le sixième tabassage, qui n'arrive pas tout de suite. Parce qu'on a encore une dernière question. Est-ce que tu penses continuer le concept du jugement encore longtemps? En fait, ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai toujours fait sur ma chaîne YouTube, c'est tant que ça me plaît, je continue de le faire. Tant que je m'épanouis à faire ça, et tant que je prends du plaisir à le faire, je le fais. On est là actuellement, on est quoi, le 25 mars? Oui. On est le 25 mars, j'ai actuellement des vidéos jusqu'au 4 mai. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Là, quand je vous dis qu'il y a un embouteillage sur la chaîne à cause de Resident Evil 4, je ne sais pas quand sortir les épisodes. Et là, il y a un jour, j'ai quasiment 2 à 3 vidéos par jour. Ça s'appelle du spam, ça me... Non, ouais, c'est j'ai mal géré mon calendrier des sorties. Mais là, ouais, là on tourne la 100e, mais je crois qu'on est déjà au 118e épisode, un truc comme ça actuellement. Parce que je laisse du temps pour, en cas de galère, comme j'ai pu avoir avec mon PC sur le mois de février et tout, je laisse du temps pour pouvoir, en cas de galère, ou en cas de coup dur, en cas de coup mou, en cas de morale, en cas de santé, parce que j'ai aussi pas mal de problèmes de santé actuellement. Je me laisse le temps comme ça d'avoir du temps, sauf que là j'ai vraiment charbonné jusqu'au 4 mai, et du coup là au niveau des jugements, je peux jouer à Resident Evil tranquillement, je peux jouer à Unshowdown tranquillement, j'ai pas à me presser, et c'est un format que j'aime beaucoup parce que justement je peux les enchaîner assez vite, et tant qu'il y aura des jeux qui sortent, je pourrai continuer de sortir des épisodes du jugement, et tant que je m'amuse à les faire, et tant que vous aimez les regarder, et ça vous permet de découvrir des jeux... Moi ça me fait kiffer quand je lis un commentaire, oui grâce à toi j'ai acheté ce jeu là parce qu'il était trop cool. C'est mon but, c'est vraiment ça pourquoi j'ai lancé le jugement. C'est vous faire découvrir des jeux qui sont passés inaperçus et qui pourraient vous faire kiffer. Et puis voilà. Est-ce que t'es prêt pour le sixième tabassage en règle? Ouais, parce que c'est la version deluxe de la sauce à la mangue. Et bah c'est parti pour la sixième sauce. J'ai l'impression d'être alcoolisé, tellement ça me tabasse la gueule. Moi j'ai encore un petit reste de citron ouais, sur ouais. La langue.
haute mango sauce. C'est une sauce à la mangue, comme l'autre qu'on a kiffé, qui était la deuxième, qui était toute douce, qui était incroyablement bonne. Celle-là, elle est bonne aussi. Enfin, je crois qu'elle est bonne parce que j'ai juste trempé mes lèvres pour la goûter. C'est juste qu'elle pique un peu, quoi. Elle est un peu agressive. On va revenir sur le jugement. Oh. Après cette petite... Pas tout de suite. Oui. Pourquoi ce choix de format? Ah putain, déjà. Et ouais. Et galère et merde, oh merde. On vient pas dire que je me moque de vous, je sais pas si ça vaut la sauce. Donc pendant que tes derniers neurones sont encore en état de fonctionner, pourquoi ce choix de format? Oh, j'ai toujours pas vu encore. Ouais, bah le format il peut attendre. Hein. En fait, dès que j'ai trop mangé, ça devient écœurant. On a mangé du coup avant de faire l'épisode. On aurait pas dû. Ouais. Je vais pas boire parce que c'est chaud. Je vais boire parce que j'ai soif. Pourquoi j'ai créé ce format du coup? Voilà, pourquoi ce choix de format et pas un autre? YouTube et les consommateurs de YouTube font tout pour que vous ayez des formats ultra condensés de 10 minutes. Ni plus, ni moins. YouTube veut du 10 minutes. Moi, j'aime pas ça parce que quand je regarde une vidéo test, principalement dans le jeu vidéo, quand je regarde une vidéo de 10 minutes, j'ai l'impression de voir un trailer. On a que des informations rapides, concises, concentrées. Alors, ça peut suffire pour certains cas, mais quand tu souhaites montrer tous les aspects d'un jeu, moi, je suis plus à regarder vraiment le début d'un let's play pour me dire « Ok, ça ressemble à ça, ça se déroule comme ça, le menu est comme ça, le gameplay se tente comme ça. » Et pareil, je ne regarde pas réellement de Twitch, mais je consomme énormément de VOD. Quand je travaille, quand je veille tard le soir, quand je me pose en train de jouer à quelque chose, j'ai souvent des VOD à côté de moi qui peuvent faire 2-3 heures. Et ça me dérange pas. Oh la vache! Un peu quand même. Il en reste encore 4. Ouais, pas les meilleurs. Exactement. Donc, j'ai fait le choix parce qu'il y a suffisamment de youtubeurs. Il y a le choix du fait qu'il y a déjà énormément de monde qui vous fait des vidéos condensées, concentrées, en moins de 10 minutes, 10-15 minutes. Me battre avec ces gens-là, dont c'est le métier, dont ils ont les moyens et les ressources de pouvoir le faire au quotidien, ce qui n'est pas mon cas, c'est mort. C'est pour ça que je suis content avec ce format, c'est que j'ai un format long, ce qui est assez inédit. Un format où j'ai le temps d'expliquer plein de choses par rapport au level design, par rapport au game design, par rapport à comment écrire les jeux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, les bonnes idées, les mauvaises idées. Ça vous laisse voir vraiment une heure complète du jeu et voir tout ce que le jeu va vous proposer la première heure, donc c'est-à-dire pas vous spoiler trop loin. Parce que c'est bien, hein, les vidéos de 12-15 minutes qui vous concentrent jusqu'à vous raconter le boss de fin en vous spoilant des trucs majeurs, c'est relou. Donc je vous laisse vraiment que sur la première heure. Et derrière, ce qui est cool, c'est que comme je n'ai pas le temps de faire du montage, parce que pour avoir longtemps fait du montage sur Adobe Premiere et Sony Vegas encore plus longtemps que ça, ça demande énormément de temps le montage vidéo. C'est quelque chose qui est ultra chronophage. Je n'ai plus ce temps. Je suis en couple, j'ai une vie professionnelle bien remplie, et j'ai des amis avec qui j'aimerais jouer le soir, ou passer du temps avec ma chérie. Si je commence à balancer 20, 30, 40 heures de montage sur une vidéo, flemme! C'est pour ça que je vous propose un format qui est certes atypique, qui peut en frustrer certains, qui vont en décourager certains, parce que oui, souvent, se mater une vidéo de 1h15, 1h20, ça peut décourager, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes en qui ça plaît, parce que
Ils peuvent se poser à côté, ils peuvent skipper les morceaux qui les intéressent pas, passer au moment qui les intéresse directement, et avoir un point de vue qui est complet en fait sur la chose. Et ça, c'est mon vrai point de vue sur ces choses-là. Ça me permet moi de m'alléger mon temps de travail et pouvoir passer encore plus de temps sur la production avec ma copine, avec mes amis et sur différents jeux en stream. Et pas, je l'ai fait à une époque hein, quand j'étais à fond sur Tarkov. Je vais jouer pendant 40 heures pour faire assez de rush pour faire une vidéo. Je vais faire une vidéo de 5 minutes. Sauf que pendant ces vidéos de 5 minutes, à faire des énormes montages à droite à gauche d'explosions, de mèmes, de trucs, ouais, c'est que ça va peut-être être 4-5 jours où je vais être enfermé à même pas écouter de musique, à même pas regarder de vidéo à côté, parce que je vais être dans le montage, à regarder les mêmes rushs en boucle, à choper le timing parfait, à faire des recherches sur YouTube et Google pour faire des effets spéciaux, pour faire des importations de mèmes, pour trouver le bon timing parfait, à faire 100 vues qui me rapportent que dalle. Le calcul est vite fait. C'est pas pour vous maîtriser, c'est pour protéger ma santé mentale. Et comme je n'ai pas vocation à percer et à devenir le nouveau Norman... Les mots sont lâchés. Non, ça me va très bien comme ça. Il y a des gens qui apprécient ce format, il y a des gens qui vont détester ce format. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est un fait. Et moi, je suis très content comme ça. Et les gens qui me suivent sont contents aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Les mots sont lâchés. Et la tête que t'as fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit lui, j'ai dit le pire blast possible. Bah t'as pris un mec qui avait ton âge, quoi. Arrête, il est plus vieux que moi en plus. Il est plus vieux que toi ? Ouais, il a 36-37, je crois. Plus vieux. Ta gueule. C'est relatif. Ta gueule. Oh putain. Oh, il a explosé au mauvais timing. Eh ben, superbe intro pour cette nouvelle question. On parle d'audience, on parle de communauté. Vas-y, dis-le, t'es en fou rire depuis tout à l'heure. Ah. Comment tu te sens par rapport aux échecs qu'ont été les vampires de Vas-y, crache-la, Damalda. On a comme l'homme. Le projet Echo et Minecraft. Quoi? Non, alors, comment j'ai vécu mes échecs par rapport à Echo et Minecraft? Minereich. Oula. C'est la sauce, c'est l'état de l'Est. Non, plus sérieusement, ouais, j'ai vu cette question de Wetros. J'ai pris cette question parce que je suis pas d'accord avec toi, en fait. Pour moi, Echo, ça n'a pas été un échec. On a été jusqu'à la fin de Echo, on a été là tous ensemble, on a détruit le météore dans Echo, ce qui est l'objectif ultime. Ça a été fastidieux, ça a été compliqué, mais on a réussi. Echo, on l'a fait en plusieurs fois, mais l'année dernière, il me semble, on l'a fait... Non, mais elle est morte de rire derrière. On l'a fait ensemble et on a réussi, c'était le gros challenge du serveur et de notre communauté, et on l'a réussi, et je vois pas, pour moi c'est pas un échec, je vois pas ce qui te fait dire ça en fait. Pour Minecraft, on a réuni beaucoup de monde d'un coup, ça a été le bordel, et le problème c'est qu'on a tous joué à nos différents niveaux d'expérimentation de Minecraft, et le problème c'est qu'il y a des gens qui étaient au bout de 2 heures en mode « Ok c'est bon, on va faire le dragon !» Mais frérot, c'est bon, j'ai à peine trouvé du fer, laisse-moi tranquille. Donc, non, Minecraft, c'est juste que ça a été trop vite, trop intense, trop vite, en fait. Il y a eu trop de différences de niveau de joueurs à ce moment-là. Mais c'est pas forcément un échec. Là, dans les projets qu'on a actuellement, ouais, c'est le serveur Projet Zomboid. Sauf que entre Un Showdown et Resident Evil 4 Remake, j'ai plus trop le temps de jouer à Projet Zomboid. Mais c'est pas pour autant que je vais laisser le serveur de côté, mais une fois que j'irai, on ira. Mais non, pour moi, c'est pas des échecs. Je suis pas d'accord. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas souffert. On va passer à la 7ème sauce. Ouais, puis alors celle-là. Bon, on arrive sur un autre problème technique. On arrive sur des sauces qui sont humainement contre nature. Mais surtout... malheureusement, je commence à vraiment avoir la nausée parce qu'on a trop mangé. Et du coup, ça devient difficile pour les sauces. Donc je vais prendre des petits bouts, mais je vais les imbiber comme un salaud. Tiens. Hop. Donc là, on est sur la Hellfire Gourmet. Oh, attention. Donc, je sais pas si vous le voyez, c'est vraiment imbibé.
Ah, oh, ça commence plus. Ah, oh, c'est la sauce préférée de Fuet. Ah bah tiens, puisqu'on est sur du pimenté, est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles du SCAV narratif Tarkov? Qui se rappelle les anciens? Il va très bien. Ah ouais, elle est bonne. Ah, elle est bonne, mais... Ah, ça sent l'ail. Hein. Vinaigre et l'ail. Oh, la composition aussi, elle est gourmée. Hein. Je crois qu'il y a piment scorpion ou un truc comme ça. Alors, piment jalapeno rôti au feu. J'ai soif surtout. Vinaigre distillé, mélange de piment vert moyen. Avec jalapeno, soy sauce, cayenne, morphine à scorpion, Carolina Reaper, tomatillos, ah ouais. Pommes vertes, ail pomme grillé, verte. Ail rôti, sel marin, jus de citron vert, cumin. Oh. En vrai, elle est super bonne. En fait, il y a un truc qu'il faut que je vous dise aussi par rapport aux sauces, c'est que j'ai pas claqué... Ouais. J'ai pas claqué 100 balles juste pour cet épisode et me ruiner hein, pour des sauces. Les sauces que j'ai pris là, principalement, c'est pour faire de la marinade avec des viandes. Sauf la dernière, la kaboom. Quasiment toutes les sauces vont être réutilisées pour des préparations de viande, des préparations de poisson, pour ce genre de trucs. Et ouais, celle qu'on vient de prendre, la Hellfire, elle est incroyable. Je la trouve super bonne. C'est quoi la question? Le narratif de Tarkov. Ah, il va bien. Hein, l'épisode 2, il est toujours en cours de montage. Ça fait 3 ans que j'entends ça. C'est quoi ton lore de jeux vidéo préféré? Tous jeux vidéo confondus. Silent Hill. Pourquoi? Silent Hill, parce que ça a été des heures et des heures sur le site Silent Hill France à regarder des théories de psychologues sur l'interprétation des jeux. Star Wars. J'ai eu très peur. Ouais, le lore de Silent Hill est incroyable. Malheureusement, Konami fait de la merde depuis des années et Konami est actuellement le pire studio que je déteste le plus. Sinon, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII qui est mon jeu de cœur, mon jeu absolu, qui a une histoire incroyable, des péripéties incroyables, et c'est pour ça qu'on en reviendra plus tard sur pourquoi je déteste autant le remake. Resident Evil parce que c'est un peu nanar, donc j'aime bien, c'est rigolo. Silent Hill parce que il y a plein de personnages torturés, il y a plein de délires de sectes, de possessions démoniaques, d'invocations cheloues, de personnes qui sont là pour vaincre leurs démons intérieurs sur ce qu'ils ont fait dans leur vie, etc. L'histoire de Silent Hill est vraiment très très cool. Petite question un peu sympathique qui va te poser un dilemme. Est-ce que tu préfères un jeu fun à la rejouabilité infinie ou, j'ai pas fini, un jeu au scénario et à l'histoire époustouflant mais faisable qu'une seule fois? Gameplay infini. Ah ouais, gameplay infini. C'est pour ça que c'est depuis 30 ans le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Tarkov. J'ai passé 7000 heures sur Tarkov. C'est simple, hein, tu spawns, t'extractes. Sauf qu'il y a tellement de variables, il y a tellement de choses qui se passent, chaque game est tellement unique, individuel. Ta façon de faire, ta façon de combattre, ta façon de vivre, les quêtes, comment tu veux passer, comment tu veux faire, les personnes que t'as rencontrées, les personnes que t'as combattues, si t'as survécu, si tu... Chaque game est unique, mais le jeu est identique à chaque game. C'est comme un MOBA, mais avec plus de variables, ce qui fait que c'est moins redondant. Même si l'histoire de FF7 est incroyable, quand je refais des runs de FF7 aujourd'hui, c'est pas pour l'histoire. J'y rejoue pour la nostalgie du gameplay et des péripéties que j'y rencontre, mais l'histoire je la connais, et au bout de la troisième fois, l'histoire j'en avais rien à foutre. Alors... Oui et non, mais c'est juste pour être pour là-dedans. C'est, tu joues un jeu vidéo principalement pour le gameplay. L'histoire, c'est bien de la découvrir, mais par exemple, l'exemple typique, The Return of Obra Dinn, tu peux le faire qu'une fois. Parce qu'une fois que t'es au courant de l'histoire, tu peux plus le refaire. Mais c'est le genre de jeu que je préfère pour le coup. Ouais, et c'est pour ça que il est dans mon top 5, alors que j'ai joué moins d'une vingtaine d'heures, tu vois. Mais sur le long terme, je préfère des jeux qui soient où je peux y rejouer infini, où je sais que je peux y jouer longtemps et j'ai un intérêt à y jouer longtemps. Il y aura toujours quelque chose à débloquer, il y aura toujours quelque chose à gagner, il y aura toujours des choses à améliorer, que de faire quelque chose où tu y vas que pour l'histoire. Parce que l'histoire, une fois que tu l'as faite, tu l'as faite. Tu passes à autre chose. On parle d'histoire, on parle de rejouabilité. Pour ou contre les remakes dans les vidéos? Alors... Le problème des remakes,
Là, on va prendre l'exemple typique de deux remakes qui sont actuels. Final Fantasy VII Remake et Resident Evil 4 Remake. C'est parti pour un tour de débat. Non, je vais essayer de faire vite parce qu'il n'y a plus de batterie. Resident Evil 4 Remake est un jeu qui a réussi à prendre à l'identique ce qui a fait le monument du jeu vidéo qui est Resident Evil 4. Mais en ajoutant tellement de contenu, en prenant à contre-pied le joueur pour le surprendre sur ce qui était le jeu de base, ce qui en fait un deuxième monument du jeu vidéo. Pour moi, Resident Evil 4 et Resident Evil 4 Remake sont de pair et sont aussi géniales l'un que l'autre. Final Fantasy VII Remake est une honte, à mon sens. Je parle au niveau du scénario. Au niveau du gameplay, il est génial. Ça a réussi à remoderniser le JRPG tour par tour. Les animations sont incroyables, les personnages sont bien doublés, l'histoire est cool, le jeu est joli. C'est sympa de revoir Midgar en full HD comme ça. Pas 60 heures. Je rappelle que Midgar, c'est le prologue, c'est 4 heures. Sur un jeu qui en fait 40-50. Midgar, c'est le début de l'histoire, c'est le prologue, c'est le début de l'aventure. Final Fantasy VII, ce n'est pas Midgar. Final Fantasy VII, c'est tout le reste, c'est le voyage, c'est tout ce qu'on y rencontre, c'est toutes les péripéties qu'on voit dans Final Fantasy VII. Que ce soit la ferme Chocobo, que ce soit la tuerie du Gold Saucer, le génocide du Mont Corel, le Cosmo Canyon, le village de Nibelheim. C'est tout ça, Final Fantasy VII. Et là, on vient de se taper un jeu... On a une trilogie dont le premier jeu s'occupe uniquement d'un prologue de 60 heures. Qui nous fait une Nomura, même si c'est au final Kitase qui a foutu la merde, à remélanger l'histoire de Final Fantasy VII en mode Kingdom Hearts, qui fait absolument aucun sens et qui perd absolument toute sa maturité, parce qu'actuellement, Square Enix, c'est ce qu'ils font. Tous les jeux qui avaient un minimum de maturité à l'époque, ils sont en train de leur couper les couilles en mode faut que ce soit gentil et adapté à tout public parce que sinon on est pas sinon on est subversif et faut que ça se vende. Non, Square Enix, pour moi, c'est le Ubisoft japonais actuellement. Il y a plein de choses ultra matures, ultra sombres et ultra glauques qui se passent dans Final Fantasy VII et qui en ont fait vraiment un jeu d'exception pour l'époque. Le FF7 qu'on a là, Remake, c'est un jeu tout public. Ce n'est pas le FF7 qu'on a connu. Je demande pas à ce qu'on fasse un FF7 copié-collé comme à l'époque, même si je le rêverais en fait. Mais ils auraient pu faire la même version que que Resident Evil 4, pardon, surprendre le joueur, mais respecter l'œuvre originale. Pour simplement, moi, ce que je défends avec ce cas-là, c'est que il y a 30 ans, il n'y avait pas, il y a 25 ans maintenant, ouais c'est ça, c'était, je sais plus la date, je suis fatigué, et, ça tape la gueule ça. Il y a plus de 20 ans, il y a eu FF7, qui a été pour ma génération un jeu incroyable, et encore pas toute ma génération, parce que beaucoup étaient peu réceptifs aux JRPG. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un action RPG moderne qui puisse nous faire revivre cette histoire incroyable de l'époque. Parce que je suis désolé, mais n'importe qui aujourd'hui qui n'a pas connu FF7 avec la nostalgie de l'époque, il est incapable de se faire FF7. Les graphismes, moi je les aime par nostalgie et parce que c'est une Madeleine de Proust. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui se tape des personnages Playmobil sur des fonds totalement flous. Bon, deuxième prise, on a fait un petit cut de 20-30 minutes histoire de refaire de la batterie, parce que malheureusement, les appareils photo Sony ont très peu de batterie, enfin c'est des toutes petites batteries, et enregistrer en 4K comme ça, malheureusement, ça consomme beaucoup d'énergie. Bon, on va essayer d'être un peu plus concis pour la fin de la vidéo et aller assez vite, parce que sinon, on n'a pas fini. C'est quoi la prochaine ? Tu préfères boire de la sauce pimentée ou nous parler de nos mois ? Peut-être pour la blague, je l'ai fait. Non, c'est vrai ? Oh l'enculé ! J'y suis sur la planche. La planche fond. Oh la kaboum, elle est horrible.
ben on va partir sur une question un peu douce. Qui est ton mangaka préféré? Kyu Hayashida, l'autre... Oh. On a déjà plus de batterie sur la première. Oh merde. Kyu Hayashida, l'autrice de Dororo et de Die Dark. Qui est pour moi... Mais j'ai mis mon pouce sur le truc, comment j'ai pu en prendre? Qui est pour moi une de... Ça va venir, accrochez-vous. Quand je vous dis qu'elle était violente et qu'elle faisait mal physiquement. J'ai vraiment le bout de la langue qui me... On me l'arrache. La vidéo va se finir là-dessus. Ouais, Kyu Hayashida, ouais. Ton réalisateur de film préféré? Je dirais David Fincher avec Martin Scorsese. Oh, la souffrance. Pour Seven, la photographie de Fincher est incroyable. Ton animal préféré et pourquoi le phoque? Parce qu'il est mofou mofou. Oh, il est incroyable. Que penses-tu de la façon actuelle de communiquer de la part des studios et des éditeurs? C'est des connards. Conclusion de cette vidéo. Tu peux répéter? Que penses-tu de la façon actuelle de communiquer des studios et des éditeurs? Donc les choix de ne plus passer par les annonces en direct, montrer le jeu à des influenceurs en premier, etc. Bon, ils vivent avec leur temps, quoi. Oui, c'est vrai. Et ça coûte moins cher de payer Squeezie que de payer un 2-3. Donc je comprends tout à fait les choix, mais... Le 3, pas beaucoup de monde pouvait y aller. Squeezie, tout le monde peut regarder ses vidéos. Voilà le fond de ma pensée. Ça coûte moins cher et ça touche tout le monde, donc c'est parfait. Question suivante. Ah mais attends, on a pas enchaîné les sources là. Ah bah là, ouais, là c'est la 9e. Quelles sont tes attentes en matière de jeu pour les deux prochaines années à venir? Annoncé ou non, ce qui te semble plausible ou pas? J'ai pas écouté. Me nique pas mon parquet s'il te plaît. Quelles sont tes attentes en matière de jeu pour les deux prochaines années à venir, que ce soit ceux qui ont été annoncés ou pas? Oh. Le focus, monsieur, arrêtez de mourir, s'il vous plaît. La caméra va voler dans la pièce. Ah, saloperie! Ah, j'ai le nez qui coule. Oh, la réaction trop bizarre. J'ai envie de frapper les gens, là. Oh. Ah, celle-là, ça va, ça passait. Tu disais? Tes attentes en matière de jeu pour les deux prochaines années à venir. Bah, en fait, c'est l'année, je crois, l'année où il se passe le plus de choses. Là, je suis très agréablement surpris. On a eu un début d'année qui a été... Enfin, depuis fin 2022, on a vraiment des grosses sorties qui sortent. Pas forcément des réussites, mais on a des tentatives qui se font. Et j'ai froid et j'ai chaud en même temps, c'est très bizarre, je vais crever à la fin de cet épisode. Ça se voit que t'es en souffrance, hein. Et là, déjà, ce début d'année avec Resident Evil 4 Remake, qui est vraiment un énorme banger pour moi. J'ai hâte de voir Diablo 4 quand même, voir la version finie. Je sais pas à long terme ce qui est prévu en vrai. C'est... Maintenant, les éditeurs, depuis le fiasco de Cyberpunk, c'est fini l'époque où on disait « Oui, dans 3 ans, il y a machin qui arrive. » Ils sont un peu plus frileux, ils préfèrent vraiment attendre qu'il y ait des builds un peu plus finis et éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc du coup, c'est vrai que là... le jeu que j'attendais le plus, c'était Resident Evil. Je l'ai. Là, franchement, ce qui arrive après, à part Diablo 4, Final Fantasy 16, j'en ai rien à foutre. Il y a un remake de MGS 1, je suis moyen chaud parce que c'est Konami.
Silent Hill, il y a peut-être un jeu qui est en préparation, je ne sais pas ce que ça vaut. Je suis curieux. Que penses-tu de l'état actuel de l'industrie ? Là, la PlayStation 5, il se vend pas, il y a toujours pas de stock, elle est trop chère, il y a pas de jeux qui sortent dessus. On a toujours des jeux qui sont mis... ils sortent toujours sur PlayStation 4, donc ça veut dire qu'ils peuvent pas faire des jeux full ultra uniquement dédiés à la nouvelle génération, parce qu'ils sont tirés encore à devoir faire des jeux qui sont encore sur l'ancienne génération, donc c'est des jeux hybrides old et next gen. Donc quand on aura enfin signé, acté et passé le pas sur uniquement la nouvelle génération, là on aura peut-être un changement au niveau de l'industrie, mais pour l'instant on n'y est pas encore. L'Unreal Engine 5 fait des dingueries, Valve 2, j'espère qu'ils vont faire des trucs de ouf avec, mais c'est encore trop tôt, je pense qu'on a encore 2 ans avant que vraiment la nouvelle gen soit vraiment implantée dans le milieu. T'as kiffé avec Kaboom ou pas? Ouais. Bah on y retourne. Oh putain. Bon bah c'est la dernière sauce, j'espère que la batterie durera assez longtemps. On est sur la dernière sauce, la Kaboom. C'est celle qui m'a mis mal. Et pour notre plus grand plaisir, on y retourne. Tu préfères oublier toutes tes aventures sur FF7? J'ai peut-être un peu abusé, frérot. Ah non, non. Ou devoir regarder l'entièreté des conférences de Todd Howard? J'ai pas écouté encore. Vas-y, mange. 16 times the detail. It was at this moment that he knew. He fucked up. La cause du décès est là. Désolé pour les bruits de bouffe. Ça va, je trouve. Ah ouais? Non. T'as voulu flex. T'as voulu vivre pour les caméras. Et ben voilà. Du coup, pendant que tu souffres, à la dernière question. Je peux pas avaler. Tu préfères oublier toutes tes aventures sur FF7 ou devoir regarder l'entièreté des conférences de Todd Howard? Nique sa mère, Todd Howard. Alors, c'était hors champ, vous l'avez pas vu, mais il a tout vomi. C'est que de la souffrance. Une conclusion pendant qu'on y est? Parce que là, on n'a plus de batterie du tout. Lâche pause bleue, abonne-toi. Je vais le faire pour lui. On remercie les viewers, les plus fidèles, les tout nouveaux, de suivre les aventures trépidantes du Bori, qui actuellement vous livre ses dernières heures. Voyez cette vidéo comme un testament et un héritage à poursuivre pour sa mémoire, pour son œuvre, Le Jugement sur YouTube et sur Twitch. C'était le Bori. Adieu. Je fiale, putain.